parle de quoi ce film déjà? Bah déconne, ça parle de ma bite. Ah! Bah au moins il sera pas très long le film. Eh bah dis donc, bande de vie troubadour, maintenant ça commence à m'observer en scred. Ah au fait, salutations, hein, c'est l'autre abruti, hein, pour ceux qui me connaissent pas. Et aujourd'hui, nous parlons d'une personne avec un seuil de talent tout à fait incroyable. Un humoriste, oui, mais pas que, car ce petit cachetier est aussi une vedette cinématographique de pur... talent. Ah non, je ne dis pas que c'est juste un simple humoriste, I'm just saying, but to you, warning for you, Pete Brad. Kev Adams est en train de coming for you. Ah bon? Ah bah, il faut pas confondre identité de genre et expression de genre. Alors je tiens à te préciser que le titre, à l'image de ta maman, gobe l'idée qu'en fait, une grosse partie des Français le détestent. Et je suis conscient que toi, Lucie, 12 ans, fan de Christophe Maé et d'Aquaponé, tu l'aimes bien. Mais pour des raisons évidentes, je vais pas appeler cette vidéo pourquoi tout le monde déteste Kev Adams, sauf l'autre grosse de Lucie qui fait de l'Aquaponé. Et je tiens à préciser qu'aujourd'hui, j'ai mis mon déo saveur somme sur son lit de jalousie, car finalement tu n'as pas d'autre argument pour résumer l'intérêt de mes civiles vidéos. Non, Dorothée, rajouter à chaque phrase le préfixe t'in jaloux ne fonctionne pas dans tous les cas. Alors non, désolé Dorothée, fais attention car Loup Solitaire va coming for you tout. Bref, Kev Adams, c'est pas Kinvey de son vrai nom, c'est pas Jack Kevin, est né en 1991 dans le 16e arrondissement de ce que l'humanité a de mieux à proposer. Paris. D'origine juive tunisienne par sa mère et juive algérienne par son père. Le jeune petit Kevin s'est octroyé la chance d'apparaître par-ci et par-là dans des castings dont même le simple nom méprise intellectuellement, incarnant à ses débuts le pur cliché de l'ado apeuré en vue de passer son malheureux petit diplôme du baccalauréat. Là où le personnage d'un enfant Tella, cadet de la famille du même nom, nous racontait ses tracas quotidiens. Il était en soi accompagné de ses fidèles alliés, Shootman et prix Nobel de mon cul sur ton front, ça fait un asfront. Bref, tout le monde était content de découvrir ce dernier. Mais ma chaliloum sur les réseaux sociaux, c'est une autre histoire. Car ce petit Kevin se faisait malmener par ses détracteurs. Alors pour vous guider à mon habitude, je propose un schéma de pensée assez simpliste pour soulager vos neurones de votre dure journée de labeur à vous demander si l'autre pute de Magali va vous sucer dans les shots contre un schtroumpf. Bref, générique. Avant, cet humoriste de talent proposait des sketchs à la hauteur de son âge. C'est-à-dire des sketchs parlant de profs de filles du baccalauréat, ou encore de spéculation boursière du CAC 40 avec fluctuations inflatiques sur projets de politique conjoncturelle, tout simplement. Ah, il était bon le bougre. Bon dans le sens où le bon devient mauvais du haut de ses 17 ans. Car dû à un pur cliché sociétal, Kevin adore représenter les jeunes à sa manière. Car c'est bien connu, le jeune n'aime pas les vieux, le jeune ne fait que pécho, le jeune finira au McDo. Le jeune est un jeune puceau. Ah, et pourtant le jeune, selon Kevin, est une personne qui fait des blagues assez mémorables, assez légendaire, s'inscrivant dans la durée. Cours de techno, sans déconner, hein. Je pensais que j'allais rentrer dans la salle, j'allais m'asseoir, et j'allais voir ça, quoi. DJ Spoutnik. Bon, après, ce mec bien tendu ne pensait même pas une once de ce qu'il a écrit, vu que de base, ces sketchs sont destinés autant aux petits qu'aux grands. Enfin, si pour grand, tu considères les personnes au-dessus de 12 ans. Oh, ça c'est pas très gentil. Je pense qu'au fond, il essaye de se créer une image de marque, faisant alors des blagues simplistes pour plaire au plus grand nombre. Regarde, tu vois, elle, Michaela, un nom qui respire le Nord-Pas-de-Calais. Elle dit en commentaire qu'elle a surkiffé son spectacle. Elle a tellement surkiffé que la dernière fois, elle a fini dans sa loge. Faux. Non mais sans déconner, son public n'est composé que de gamins ou de gamines. Et pourquoi me diras-tu derrière ton PC qui ne fait même pas tourner Fortnite en Ultra HD? Car les commentaires datent tous d'il y a au moins 3 ans. Et quand tu vois que le pays du Magdulin Zabim Bim Bam Doum Tobaboum publie dans l'espace commentaire qu'il est sympa, sympa, S-I-M-P-A-S, et qu'elle a pu le rencontrer en coulisses, et quand tu vois que d'autres commentaires dont Marine précisant que Kev Adams c'est trop marrant, que ce dernier fut publié il y a 3 ans et que sa PP actuelle montre qu'elle a dans les 14 ans, je me dis qu'elles ont vu tous le même sketch à la rentrée de la classe des CP. Ma source? Cristaline! Cristaline, c'est mon nom. Ah, le saviez-vous, Kev Adams, c'était un pur visionnaire. Mais oui, j'étais l'a dit. Il a bien évidemment participé à l'édition moins 1 du Fantaxou, tu sais, l'édition dont personne n'a entendu parler. Tu me crois pas? Pouf! Vas-y, regarde. Non mais vraiment, ça c'est... Je viens de réaliser mon plus grand fantasme, quoi. C'était... Vas-y, fantasme, c'est bon. Vas-y, fantasme, c'est bon. Ça c'est quoi, ça? Bah ça c'est mon fantalon.
Un petit pantalon taille 32. Quand même, on est quand même... Ah non, désolé, je veux pas dire que c'est mauvais parce qu'être dissident, c'est à la mode. Mais vraiment, ça pue sa mère, quoi, vraiment. Genre, le mec s'est approprié le malaise. Gros, il y a des génomes, ils sont venus sur sa peau et maintenant, ils sont en train de dire, voilà, désolé, on savait pas, nous. Bon, après, je me dis, avec du recul, qu'est-ce qui l'a poussé à mettre ça en public? Et surtout, est-ce que Fanta se sont dit, ah ouais, franchement, gros, c'est parfait, hein, bouge pas, ça me fait un carton. Vraiment, je trouvais ça drôle. Enfin, je trouvais ces sketchs drôles. La première fois que j'ai écouté ces sketchs, c'était en 2011. Et aujourd'hui, on est en 2019 et j'ai bientôt 21 ans. Donc, à l'époque, j'avais 10 ans. Et quelques. Et avec du recul et un peu de maturité, je me suis dit qu'en fait son humour est assez lourd, avec un humour assez simple qui doit s'adapter pour toucher un plus large public. Public qui lui, pour être touché, doit comprendre des blagues assez simples. Si tu es en tant que jeune scientifique, j'ai développé une théorie. Une théorie qui s'appelle le paradoxe du créateur à succès amorcé. Attends, je m'explique. Comment réussir à tous les coups dans un domaine? Tu utilises ma recette. Tu prends un soupçon de thème ou un soupçon d'action qui parle à tout le monde. Par exemple, dans la musique, on trouvera la thématique de l'amour. C'est pas par hasard que ton rappeur préféré vend moins de disques que Big Flo et Oli, car eux s'adressent à l'archétype de l'humain lambda. C'est la même chose pour l'humour. Cyprien, Kev Adams ou encore le légendaire code de meuf sur Facebook, c'est le même principe. Tu prends un fait général qui peut arriver à toi et à ton prochain. Par exemple, quel parent n'a pas dit à son gosse « Quand j'étais petit, je croyais que si je louchais et qu'il y avait du vent, je pouvais rester bloqué comme ça toute ma vie. » Et là, le simplet du village va te comprendre. Car potentiellement, tu as plus de chances que cette action se réalise qu'une blague dont trois personnes comprendront la ref. C'est en grande partie pourquoi vos chaînes entre potes ne marchent jamais. Car souvent, vous faites des private jokes dont personne ne se souviendra. Ou tout simplement parce que votre chaîne, c'est de la merde. Du coup, ce simplet du village sera totalement osef et passera à autre chose car tu ne l'as pas diverti. Mais donc, est-ce que ce vil petit coquin de Kev Adams a-t-il évolué comme son public? Alors oui, mais non. Non dans le sens où niveau humour, en fait, il est resté dans le même rayon d'action. Comme je l'ai dit, je le répète, une simplicité qui touche au plus grand nombre. Et de ce que j'ai constaté sur les réseaux sociaux, c'est pas ça. Genre quand tu postes, quand t'es censé être au régime mais que tu vois un Kinder Bueno, ou plus connu sous le nom, quand t'es censé être au régime mais que tu vois un petit Kevin, tu dois bien te dire que... mais ça prétille. Ce n'est pas en fait l'idée qu'il n'est pas drôle, c'est juste en grosse partie il s'adresse à des enfants. Et désolé pour le cliché, mais plus t'es jeune, plus t'es con. Non mais restons sérieux, genre 2 minutes. À 10 ans, tu vas pas rigoler sur des blagues racistes. Un gosse ne sait même pas différencier soi de son prochain. Il s'en fout que l'autre soit d'une autre couleur. Et ça, les adultes devraient en prendre exemple. Hein, je dis ça, je dis rien. Pas du rien. Putain, je voulais choper ma claquette pour lancer sur sa gueule, mais la vie de ma mère, j'ai raté. Pour revenir à la question, oui, Kevin a évolué, dans le sens où désormais, le Kev de 17 ans qu'on a connu a grandi. Là, il parle de problèmes de l'instant T avec un humour daté et gardé de ses premiers sketchs. C'est comme l'image, si tu veux, du petit Norman qui essaie de rester à la page alors qu'approcher de la trentaine, ça ne marche tout simplement plus. Mais même parler d'humour, c'est assez subjectif parce qu'on est tous différents, on a tous évolué de différentes façons. Et du coup, j'en viens à la conclusion, est-ce que ce dernier mérite ce lynchage intempestif? Son humour n'est pas adapté à tout le monde. C'est vrai que par moments, il est gênant. Mais est-ce que vraiment ça vaut le coup de forcer sur ça? Pose-toi la question. Kev Adams, dans la tête de 85% des Français, c'est le petit Pakistanais prêt à mettre sa grosse lampe au service de Jasmine. Et apparemment, craché sur le film qu'est Les Nouvelles Aventures d'Aladin, ça lance des grandes carrières de youtubeurs FR. Grands youtubeurs qui préciseront que Kev Adams raconte l'histoire d'Aladin vis-à-vis de son propre ressenti IRL. Insinuant alors que ce fantasmaque personnage est l'incarnation théâtrale de Kev Adams. C'est-à-dire que Kev Adams interprète Kev Adams, lançant des a priori du genre « Oh, c'est Kev Adams, donc c'est nul !» Et quand d'autres wesh les amis. Du Tikar à la sauce atomique vont me dire que Kev l'ont fait rigoler dans l'épreuve 2, c'est comme une odeur d'incompréhension générale. C'est comme confondre acteur et personnage, car il n'est pas à l'origine de ses propres blagues. Car oui, le gros problème du film, c'est qu'on oublie rapidement que Kev Adams n'est qu'un acteur, et que les pensées racistes, sexistes, misogynes, cisgenres, hétéroconscients, indépendants, rationalistes, dépendants, émanant du film, sont directement issus de sa tête. Et ça, il n'y a que les Atomics pour penser à ça. Il a bien pu, sur certaines blagues, influencer l'écriture, mais il n'en est pas la raison principale de cet échec cuisant. Échec dans le sens cinématographique, car la beauté du cinéma, blablabla, tu l'as dans le cul. Mais à côté, le succès commercial en a découlé. Enfin, c'est le comble de découler quand tu viens de te la prendre dans le cul. Ouh. Attention, il n'a pas fait de suite à Aladdin pour avoir ce merveilleux plaisir de se prendre « Oh, mais t'es nul, oh, tu putes ta mère, ton humour est à chier !» Il a fait une suite car ça rapporte. C'est comme l'autre exemple du film Venom de chez Sony. Ce n'est pas parce que c'est un pur chef-d'œuvre artistique qu'ils ont décidé de faire une suite. Les tickets de cinéma, ils se sont vendus comme des petits pains. En France, le problème principal, si tu veux faire de l'audience, c'est de prendre un humoriste et de le mettre dans ton film. Tu sais que le film va marcher car le public se dit « Oh, regarde, il y a Franck Dubosc, on va forcément passer un bon moment !» Les gens sont cons et vont acheter
acheter leur billet. Et même si le film est mauvais, on s'en fout, ça rapporte du flouze. Regarde-moi ce bon nombre de films où on retrouve des navets comportant des humoristes. Mais attention, dire que Kev Adams ne fait que des navets, ça serait se mettre un voile sur la face. Ou dans certains cas, un burkini ou une burqa. Hein. Attention, on est progressiste. Et vu que j'adore entretenir ma vile réputation de connard, j'ai fait venir quelqu'un d'autre pour parler des points positifs. La bonté. C'est pour le peuple. À toi l'honneur, Adam. En fait, Kev Adams n'a pas apporté que du mauvais au cinéma français. Il a joué dans des comédies plutôt correctes, comme Fiston avec Franck Dubosc. C'est loin d'être un chef-d'œuvre, mais ça reste assez sympathique. Mais surtout, depuis quelques temps, Kev Adams tente des choses un peu plus ambitieuses ou un peu plus indépendantes dans le cinéma. Il fait parfois des films avec un vrai message, comme Ami Public sur la maladie ou encore Un sac de billes sur la Shoah. Il participe aussi à des productions plus ambitieuses, comme le film américain L'espion qui m'a largué. Un français qui joue dans un film américain, même en second rôle, c'est toujours notable et ça peut lui permettre de sortir un petit peu de sa case. Le film de Guillaume Canet, Rock'n'Roll, n'est lui aussi pas excellent, mais montre une véritable envie de changer un peu la comédie française classique, avec un côté beaucoup plus indépendant. Enfin, Les Nouvelles Aventures d'Aladin tentent de faire une comédie à grand budget. Et il se rate, effectivement, le film n'est pas bon, mais il a le mérite d'être déjà plus ambitieux qu'un Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Donc, finalement, la filmographie de Kev Adams n'est pas si catastrophique. Sur 15 films où il apparaît, j'en relève 4 qui n'ont vraiment aucun intérêt. Il y en a 6 qui sont vraiment moyens, et donc 5 où il tente quelque chose de différent en rajoutant le film israélien d'action Kidon. Alors, certes, Kev Adams n'a pas eu une carrière exceptionnelle au cinéma, mais elle n'est pas forcément pire qu'un autre. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a éclairé sur le personnage qu'est Kev Adams, et j'espère aussi que j'ai répondu à vos questions et aussi à mon titre. Si tu veux bien évidemment me soutenir dans mon travail, n'hésite surtout pas à aller sur ma page YouTube. Vous pouvez m'envoyer des dons sans dépenser un rond, tout simplement vous regardez des pubs et moi ça me fait un peu d'argent. Gros big up à Adam qui a fait son apparition dans ma vidéo. Si bien évidemment tu veux regarder son contenu, il fait en gros la même chose que moi, sauf que lui il va sur une critique un peu plus large, il va te parler de films, d'animés, de séries et même de musique. Il fait un travail plutôt ma foi très fort sympathique et sa chaîne est bien évidemment en description. Et surtout n'hésitez pas à lui exploser son compteur d'abonnés. Sur ce, une prochaine vidéo, mais ça tu savais déjà. Ciao. Lâche un like, ho ho, abonne-toi. Enterre tes morts, suce ton père.